بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 34 sur le cours des polynômes, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On considère le polynôme P de x qui est égal à x à la puissance 4 moins 20x au carré plus 4. Petit 1. Vérifiez que P de x est égal à x au carré moins 2 le tout carré moins 16x au carré. Petit 2. Mettre P de x en facteur de deux polynômes de degré 2. Petit 3. Soit n un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 5. Montrez que n à la puissance 4 moins 20n au carré plus 4 n'est pas un entier premier. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit 1. Vérifions que P de x est égal à x au carré moins 2, le tout au carré moins 16x au carré. Pour réaliser cette vérification, on a le choix de partir de P de x et trouver x au carré moins 2, le tout au carré moins 16x au carré. Ou bien partir de cette expression mathématique et retrouver P de x. Donc le plus simple, c'est de repartir de cette expression mathématique. Il suffit tout simplement de développer x au carré moins 2, le tout au carré, puis calculer ou bien simplifier cette expression, vous allez trouver P de x. On a x au carré moins 2, le tout au carré moins 16x au carré, qui est égal. Cette expression mathématique nous rappelle l'identité remarquable numéro 2. A moins b le tout au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc c'est x au carré le tout au carré, c'est-à-dire x à la puissance 4, moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois x au carré fois 2. Si vous voulez, je peux la calculer directement, c'est-à-dire moins 4x au carré plus 2 au carré qui est égal à 4, moins 16x au carré. Ça donne x à la puissance 4. Moins 4x au carré moins 16x au carré, c'est moins 20x au carré plus 4. Et vous voyez, en deux lignes, on a trouvé le résultat. Maintenant, si je choisis de partir de P de x, ça c'est deuxième méthode. On a P de x qui est égal à x à la puissance 4, moins 20x au carré, plus 4. C'est-à-dire P de x est égal à x à la puissance 4, moins 4x au carré, moins 16x au carré, plus 4. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a ici apparition d'une identité remarquable. Je prends cet élément et celui-là et celui-là. Ces trois éléments, ou bien ces trois termes, forment une identité remarquable. X à la puissance 4, c'est x au carré le tout au carré. Moins 4x au carré, c'est-à-dire moins 2 fois x au carré fois 2.
Et 4, c'est 2 au carré. Puis, moins 16, x au carré. Et comme vous voyez, cette expression mathématique représente l'identité remarquable numéro 2. Ça donne p de x est égal à x au carré moins 2, le tout au carré moins 16 x au carré. Et c'est terminé. Mais la première méthode reste toujours mieux que la deuxième. Vous voyez, on a réalisé la première méthode en deux lignes. Petit 2, mettons P de X en facteur de deux polynômes de degré 2. On a P de X est égal à X au carré moins 2, le tout au carré moins 16 X au carré. N'est-ce pas? Et maintenant, on va préparer cette expression mathématique pour obtenir une nouvelle identité remarquable. C'est-à-dire, P de x est égal à x au carré moins 2, le tout au carré, puis moins 16x au carré, c'est 4x, le tout au carré. Et maintenant, vous voyez qu'on a obtenu une identité remarquable. La première, ou la deuxième, ou la troisième. Bien sûr, c'est la troisième identité remarquable. Voici le nombre qui va jouer le rôle de A, c'est x au carré moins 2. Et le nombre qui va jouer le rôle de B, c'est 4x. C'est-à-dire, P de x est égal à x au carré moins 2 plus 4x facteur de x au carré moins 2 moins 4x. Et comme vous voyez, on a trouvé P de x sous forme d'un produit de deux polynômes. Le premier, c'est x au carré plus 4x moins 2. Il a pour degré 2. Et le deuxième polynôme, c'est x au carré moins 4x moins 2, qui a aussi pour degré 2. Et c'est terminé. Montrons que n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 n'est pas un entier premier. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un entier premier ou bien un nombre premier. Oui, un nombre premier, c'est un nombre qui admet deux diviseurs, 1 et lui-même. Comme par exemple 7. 7, c'est un nombre premier puisqu'il a deux diviseurs qui sont 1 et 7. N'est-ce pas? Donc on va montrer que n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 admet plusieurs diviseurs. Et vous voyez ici, n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 n'est que n au carré plus 4n moins 2 facteur de n au carré moins 4n moins 2, en remplaçant tout simplement x par n. Donc, je vais écrire d'abord ça. On a n à la puissance 4 moins 20n au carré plus 4 est égal à n au carré plus 4n moins 2 facteur de n au carré moins 4n moins 2. Donc maintenant, on va vérifier que n au carré plus 4n moins 2
est un nombre entier naturel différent de 1. Et n au carré moins 4n moins 2, c'est aussi un autre entier naturel différent de 1. Alors si on prouve ça, on va dire que n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 admet deux diviseurs qui sont différents de 1, celui-là et celui-là. N'est-ce pas? Et puisqu'il admet comme 1 diviseur et il admet n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 comme autre diviseur, donc il a au total 4 diviseurs. Donc ce n'est pas un nombre premier. Donc je vais montrer que ce nombre est un entier naturel différent de 1. Et cet autre nombre est aussi un nombre entier naturel différent de 1. Voyons ça. On nous a dit que n supérieur ou égal à 5. Donc tout d'abord je vais dire n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 qui est égal à ce produit. Donc n à la puissance 4 moins 20n au carré plus 4 est divisible par n au carré plus 4n moins 2 et n au carré moins 4n moins 2. Donc est égal à n au carré plus 2 fois n fois 2. Et vous voyez, il me manque 2 au carré pour obtenir une identité remarquable. Donc j'ajoute 2 au carré et je retranche 2 au carré puis moins 2. Cette expression mathématique nous rappelle l'identité remarquable numéro 1. Donc c'est n plus 2, le tout au carré, moins 2 au carré c'est 4, moins 2 c'est moins 6. Et comme n supérieur ou égal à 5, alors n plus 2 supérieur à 5 plus 2 qui est égal à 7. N'est-ce pas? C'est-à-dire n plus 2 le tout au carré est supérieur à ou égal à 49. 7 au carré c'est 49. C'est-à-dire n plus 2 le tout au carré moins 6 est supérieur ou égal à 49 moins 6. 49 moins 6, c'est 43. Et comme vous voyez, maintenant, on sait que n au carré, n plus 2, le tout au carré moins 6, est un entier naturel qui est supérieur ou égal à 43. Donc, il est différent de 1. Donc, je vais écrire. Donc, n au carré plus 4n moins 2 est un entier naturel différent de 1. Donc ça va me suffire pour dire que n au carré à la puissance 4 moins 20n au carré plus 4 n'est pas un entier premier parce qu'il a 3 diviseurs jusqu'à maintenant sont 1 et le nombre lui-même est n à la puissance 2 plus 4n moins 2 sans vérifier que l'autre diviseur qui est n au carré moins 4n moins 2 différent de 1. Donc c'est pas la peine. Puisque
n à la puissance 4 moins 21 au carré plus 4 admet déjà comme diviseur un et lui-même, alors ce nombre n'est pas premier. Si vous voulez, car n, car n au carré plus 4n moins 2 est aussi un diviseur de ce nombre. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. À très bientôt.